Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour ce second épisode du Let's Play d'Inazuma Eleven Go version ombre. On reprend tout de suite la trame scénaristique, on va rentrer à la maison avec ce fameux Jean-Pierre Lapin. Ce nom me fera toujours rire clairement, mais non, je vais pas me moquer, c'est pas grave. Hein. Excusez-moi auprès de tous les Jean-Pierre, ce n'est pas contre vous. Sauf si vous appelez également Lapin, mais alors là, c'est vraiment pas de bol pour le coup de vous appeler Jean-Pierre Lapin. Non, je me moque, mais non, j'en pense pas un traître mot, vous inquiétez pas. Alors, effectivement, certains vont se dire, mais on n'entend plus rien au son du jeu. Alors, j'ai effectivement baissé le son du jeu, mais de manière cruciale, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en ce moment, sur ma chaîne YouTube, je n'arrête pas d'avoir des droits d'auteur sur tout le temps la musique. Et au bout d'un moment, ça m'énerve. Je me suis tapé tous les droits d'auteur sur quasiment toutes mes vidéos de Mario Kart. Et là, pareil, le premier épisode, il fait une heure et quelques. Et pour, en gros, juste une fraction... Alors, un moment, hein, c'est juste dans le match. C'est dans le match, ça fait ding, et un petit coup de guitare, bam, c'est droit d'auteur pour je sais plus quelle musique japonaise. Alors que bon, 1h20 de vidéo pour se taper un droit d'auteur, c'est pas assez cool. C'est pas cool, et comme en ce moment j'en ai plein... Eh bien j'évite, hein, j'évite de mettre la musique trop forte, donc vous aurez un petit fond de musique, légèrement, un petit fond de musique musicale, j'espère que ça s'entend quand même un minimum. Ça devrait aller, de toute façon, voilà, au pire je vous ferai la musique avec ma bouche, mais malheureusement, vive YouTube. Salut Spotter, si tu savais la journée que j'ai passée, je n'ai même pas eu le temps d'aller m'inscrire au club, ce sera pour demain. Waouh, t'as un chien, c'est super, il a l'air du genre pantouflard. Bouf. Moi je le fais bien. Je fais doubleur de Sasuke en fait dans l'anime. Bonsoir Arion, c'est un de tes amis? C'est ta mère Arion? Elle est super jeune. Non, c'est ma tante Sylvia. Elle s'occupe de la résidence Windsor. Ce bâtiment là, il a l'air hyper vieux. Vu son nom, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus prestigieux. C'est justement son côté rustique qui fait le charme de la résidence. Dis-moi, c'est bientôt l'heure de dîner. Tu veux manger avec nous? Ça ne vous dérange pas? Je veux bien alors. Très bien, je vous appellerai quand le repas sera prêt. Arion, montre-lui donc ta chambre et n'oubliez pas de vous laver les mains. D'accord. Allons vite nous laver les mains. Je t'envie de vivre sous le même toit que ta tante, Arion. Elle a l'air gentille et elle est super belle. C'est vrai qu'elle est gentille. Son petit ami vit aux États-Unis. Il joue au foot lui aussi. D'ailleurs, je crois qu'il est assez célèbre. Ah, au fait, je voudrais te montrer quelque chose. Viens, on va dans ma chambre. C'est la première sur la droite. En même temps, s'il te suit, logiquement, il devrait la trouver. Le match ne s'est pas très bien passé, mais je suis content d'y avoir participé. J'ai aussi rencontré un nouvel ami. JP. Allons dans la chambre d'Arion. Let's do it. J'avoue que c'est rustique. Je suis pas trop fan, mais c'est rustique. Je suis si contente que tu te fasses des amis. Vous avez faim, je vais préparer le dîner. La première soit droite. D'accord, c'est comme ça les... Putain, c'est sympa, mine de rien. En organisation de maison. Bon, c'est vrai que toutes les chambres sont les unes à côté des autres. Pour se faire des câlins, c'est pas tip-top. Regarde, c'est mon bien le plus précieux. Hein? Mais c'est juste un ballon de foot, il est tout usé en plus. Oui, mais il m'a sauvé la vie. Quand j'étais petit, je vivais à Okinawa. Un jour, je suis allé jouer sur la plage. Spotter, qui n'était encore qu'un chiot à l'époque, jouait près de vieilles planches et s'est retrouvé coincé. J'ai essayé de l'aider, mais des planches énormes ont commencé à tomber. J'ai bien cru qu'on allait être écrasé. C'est à ce moment-là qu'un garçon a détruit les planches en 1000 morceaux avec ce ballon. Il nous a sauvés de justesse. Waouh, alors ce ballon t'a vraiment sauvé la vie. Mais qui était ce garçon? Il doit être très très fort. Je ne sais pas, ma mère voulait le remercier, alors elle l'a cherché, mais il était introuvable. Je n'ai vu son visage que l'espace d'un instant, mais son sourire est resté gravé dans ma mémoire. Eh ben, tiens, ce dessin. Ah oui, il ressemble au symbole de Raymond, tu ne trouves pas? Je pense que ce garçon était un élève de notre collège. Ah, je comprends, c'est pour ça que tu veux absolument rejoindre le club de foot de Raymond. Et vous amusez bien ce que je vois. Le dîner est prêt. Raconte-moi cette première journée, Arion. Tout s'est bien passé?
Au début, j'étais très nerveux, et puis après, il s'est passé quelque chose de tellement incroyable, tu vas voir, c'était terrible. Ainsi, un des joueurs de Raymond est un invocateur. Oui, sire, il semble ne pas être conscient. Victor Blade va se charger de le surveiller. Il pourra peut-être nous être utile. Blade est un impérial de première classe. Je pense qu'il est à même de remplir cette mission. Bien, demandez-lui d'observer l'apparition d'esprits guerriers dans l'équipe de Raymond et d'identifier les joueurs qui s'opposent à nous. Très bien, sire, tout sera fait selon votre volonté. Hola, Guillemolo! Le jour suivant, après l'école. Les cours sont enfin terminés, il faut que j'aille m'inscrire au club. Attends, Arion, tu es sûr de vouloir encore intégrer le club après tout ce qu'il s'est passé hier? Hein? Bien sûr! Très bien, je viendrai t'encourager pendant l'épreuve de sélection alors. Il y a une épreuve de sélection? Je ne savais pas, peut-être que quelqu'un pourra m'en dire plus là-dessus. Renseignez-vous sur la sélection. Alors je m'excuse, j'ai encore la voix du matin, ça fait pas très longtemps que je me suis réveillé. Mais c'est pas grave, j'avais envie de faire la suite. Dialogue. Tu veux entrer dans le club de foot? Tu en es sûr après tout ce qui s'est passé hier? Hop, d'accord. Une épreuve de sélection? Maintenant que j'y pense, je crois bien que j'en ai entendu quelqu'un parler. Quelqu'un dans la classe là-bas? L'épreuve de sélection, je ne vois pas de quoi tu parles. Demande à un autre professeur. Note pour plus tard, se renseigner. L'épreuve de sélection? Quoi, celle du club de foot? Tu n'as pas entendu parler de ce qu'il s'y passe, tu ferais mieux de laisser tomber. Très encourageant ça. L'épreuve de sélection, je ne sais pas. Demande à quelqu'un d'autre. Bon, s'il était un petit peu visible, c'est lui. Il paraît que l'épreuve de sélection du club de foot, c'est pas du gâteau. Très peu d'élèves arrivent à être admis. Mais ça permet d'améliorer son dossier scolaire, alors il y en a plein qui essaient quand même. Ecuso, on avance. Alors au final, c'était pas lui, c'était une feinte. Arion! Tu vas rejoindre le club de foot, hein? Moi aussi, j'ai décidé de passer l'épreuve de sélection. Ah ouais, génial, on va s'entraîner ensemble pour faire partie de l'équipe première alors. Je suis sûr qu'on y arrivera, je suis plus fort qu'il n'y paraît. Ah, au fait, on doit d'abord aller au stade pour s'inscrire à l'épreuve. Jean-Pierre Lapin vous rejoint. Et donc nous allons nous inscrire au stade. Et voilà les stats de Jean-Pierre Lapin. Oh my god. La maîtrise de merde. De 60 on passe à 24. Précision pourrie. Ah, meilleure défense clairement. Petite vitesse. Plus endurant. Très 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 bon en interception forcément. Et Jean-Pierre Lapin, comme une patte de lapin, il a beaucoup de chance. Ok, c'était naze, c'était un vieux jeu de mots de merde. On sauvegarde. Et allons s'inscrire. En bas ou en haut? En haut. Ouais, bingo. Ça a complètement été modifié. Ah d'accord, on arrive là. J'en peux plus les gars, j'arrive plus à jouer dans ces conditions, je quitte le club. Quoi? Il quitte le club? Arion, il y a comme une mauvaise ambiance, on devrait aller leur parler. Alors oui, je lis les dialogues parce que beaucoup vont me dire « Mais pourquoi tu lis? On est capable de lire. » Je sais que certains me disent dans mes let's play, mais certains parfois regardent sur téléphone portable et c'est pas forcément très lisible. Voilà, mais là je pense que c'est un peu trop petit pour lire sur téléphone portable et même voir les images, ça risque d'être un peu petit. C'en est fini de l'équipe réserve. J'ai donné tout ce que j'avais pour le club, mais là, ce Victor Blade, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en ai assez. C'était toi hier, ça a dû te faire un choc de voir à quel point notre équipe est faible. Écoute, personne ne t'en voudra si tu renonces à rejoindre le club, alors si tu veux un bon conseil, laisse tomber. C'est Subaru, lui, non? Ah non, Friedrich, d'accord. Elle lui ressemble, hein.
J'ai rejoint le club de foot parce que je voulais améliorer mon dossier scolaire. Le sport, c'est pas tellement mon truc. Eh ben, casse-toi! J'ai peur de jouer au foot maintenant. Désolé, j'ai besoin de réfléchir. T'es le petit frère de Sasuke, toi, non? Le club est la risée de l'école. Toute l'équipe réserve battue par un malheureux sixième. Ah là là. Tais-toi, tu n'as pas d'âme. Aïe, j'ai encore mal partout! Qu'est-ce que tu me veux? Dégage de là. Cinquième secteur va pas nous lâcher d'une semaine maintenant. Je pourrai plus jamais jouer au foot. Tout le monde quitte le club. Il ne reste plus que l'équipe première et Hugues et Sean de l'équipe réserve. Bon, on y va, on quitte le club. Sayonara. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, attendez, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes chanceux de pouvoir jouer pour Raymond. J'ai toujours rêvé de venir ici. Vous n'avez pas à avoir peur du football, au contraire, c'est amusant. Si vous abandonnez maintenant, vous rendrez le football triste. T'es rigolo, toi. Et quand il est très triste, ton football, il pleure, c'est ça? Je suis sérieux. Si vous amusez en jouant au football, je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Bon, le sixième, tu comprends rien à rien. Tais-toi et laisse les grands discuter. Hé, il ne t'a rien fait, alors ne lui crie pas dessus. Vous pouvez partir, si vous voulez. Je préviendrai le coach et le capitaine. Je suis désolé les garçons, vous êtes venus passer l'épreuve de sélection, c'est ça? Sans le capitaine, ça ne va pas être possible. Sangook, Doug, Subaru, aidez-les à chercher Ricardo, d'accord? Comme si on avait que ça à faire. D'accord, Madame Hills, allez vous deux, on va se dégourdir les jambes. Sangook, Han vous rejoint. Duke, MacArthur vous rejoint. Subaru, Honda vous rejoint. Oh, les rechercher ce nom. Chercher Ricardo autour du collège. Et là, nous avons une équipe de 5 joueurs. Comme par hasard, nous avons un attaquant, un défenseur, deux défenseurs, un milieu et un gardien. Si c'est pas parfait, j'ai envie de vous dire ça. Ça sent l'équipe des défis. Alors, pourquoi il n'y en a que 3? Ah, peut-être que maintenant, il n'y en a que 2 qui nous suivent. Bon, où a-t-il bien pu passer? Edith, vous n'auriez pas vu Ricardo? Tiens, des types du club de foot. Peut-être que je sais où il est, je pourrais vous le dire. Génial, alors où il est? Avant ça, vous allez devoir gagner ce défi. Allez, je vais mettre un petit peu plus d'entonation, là je commence à avoir la patate, je me réveille. De temps en temps, des joueurs de foot voudront vous défier. Remporter des défis peut vous permettre de gagner des niveaux et d'obtenir des objets. Alors il y a une nouvelle chose dans cet opus, depuis Inazuma Eleven Go, c'est que quand vous gagnez certains défis, alors c'est peut-être des défis ou des matchs, je ne sais plus, non je crois que c'est des défis, il y a des joueurs de l'équipe adverse qui peuvent parfois vous rejoindre directement, sans avoir à les recruter ni à les transférer et autres. Alors, non ça me paraît pas mal là. On va faire l'attaquant, on va le faire passer par là, une passe ici. Petite passe en retrait, hop, passe en profondeur, j'aurais dû faire une passe lobée. Ceci est un fail. Courez, ok. Sangook est là, il a l'avantage. Je devrais faire un arrêt, sauf s'il a un tir spécial. Je ne pense pas. Voilà, Sangook en impose. Oh putain, il n'a pas de dégagement à la main. D'accord, ça a été complètement modifié. On va regarder ici. Ok, j'ai pas pu. Je sais pas combien de temps il faut faire pour faire une passe lobée. Combien de temps il faut maintenir, c'est ça la tristesse. Écoutez, on va faire. Ouais, non, je vois pas la différence. Bon, on verra bien. On va tenter un dribble. Je devrais avoir un petit avantage parce qu'il est bois. Sachant que j'ai plus de physique, allez. Voilà, c'est passé à un point près. Direct! Oh! Ouh, je me suis dit reprise de volée comme ça, instantanée. D'habitude, c'était... Ah, fuck. On va couper la trajectoire. C'est parfait. Un tacle. Ouh, ils sont pas mauvais. Franchement, je le vois bien que la difficulté a été réélevée. Parce que là, d'habitude, on les attrapait très facilement, les défis. Et là, merde, putain, c'est compliqué.
Oh pardon, excusez-moi pour cette... Hop, la montée. Ah ouais, mais faut vraiment faire des passes lobées et tout maintenant dans ce jeu. Ça me plaît, ça, ça me plaît. Ici, c'est le tir. Attends, on va tenter de le mettre ici. Puissance du tir à fond. Allez, Arion! Il a loupé son coup de poing dégagement. Yeah! Bon, vivement qu'on a des techniques parce que là... Bon, je vais pas les utiliser non plus pour ça. Quoique je pourrais en montrer, je sais pas, j'ai même pas fait gaffe si on les avait... Oui, bah ils doivent déjà avoir leur technique. Vous êtes assez bon en fait pour des demi-portions. Attends, c'est nous que tu viens de traiter de demi-portions là? Tu veux que je te fasse bouffer tes dents, c'est ça? Hii. Bon, je crois que la prochaine fois, il fera moins son malin. Ils sont partis sans nous dire où se trouve le capitaine. De toute façon, je crois vraiment pas qu'on va le trouver ici. Il fera mieux d'aller voir dans le bâtiment principal. Et donc là, on va commencer à avoir des agros style Pokémon. Le club de foot de Raimon est vraiment impressionnant. J'ai tellement envie de jouer avec eux, j'espère que je pourrai le rejoindre. C'est pour ça que je suis venu dans ce collège après tout. J'ai trop hâte de passer l'épreuve. Zone de repos. Utilisez les zones de repos pour gagner des points d'énergie. Chaque utilisation coûte des points de motivation. Les points de motivation et les points d'amitié. Dépensez vos points de motivation dans les magasins. C'est un petit peu la monnaie. Et les zones de repos et les points d'amitié permettent de recruter des joueurs. Parce que certains joueurs vont vous coûter plus de points d'amitié que d'autres, bien entendu. C'est les deux monnaies du jeu. Hein. Ça change de l'argent. Par exemple, là pour 6, voilà, mon équipe a récupéré tous les PE et les PT. Alors attention, ça augmente avec le temps, vous inquiétez pas. Il est chelou, lui. Pensez pouvoir nous battre, ça m'étonnerait que vous y arriverez. Mais vas-y, ça me plaît, un défi comme ça à l'arrache. Ouais, marquer un but. Je commence. Lui, on le fait passer là, j'ai dit. On passe ici, on passe là, et là on fait un lob. Ouais, c'est pas passé. On va tirer là. Je suis peut-être un petit peu loin par contre, j'ai peut-être un vu un petit peu gros. Eh ouais, dégagement au point. On va faire ça au cas où. Toi tu restes à l'avant. Ouais non, tu veux plutôt venir là. Et toi tu vas rester comme ça. GG. Ah, c'est vraiment compliqué, hein. J'ai du mal avec les passes lobes, là. Je sais pas trop comment on fait. Peut-être... Non, je vois pas. Dribble. Attention, tir spécial. On vous en montre quand même un. Avec les points de technique. Tes rêves, bonhomme. C'est un tir de base. Hein. Un tir spécial de but. De base, pardon. Défi remporté. Ah, je sais plus, on se fait plus aggro comme dans le 1. C'est nous qui devons faire les défis maintenant. Bien joué, mais on gagnera la prochaine fois, vous verrez. C'est bizarre, ça. Ouais, il est gigantesque, ce bâtiment. J'espère que Ricardo va bien. Et Rosie, si t'es si inquiète, pourquoi tu vas pas le voir à l'infirmerie? Non, je ne peux pas, il est sûrement en train de dormir, je ne pourrai pas et on se connaît à peine et... Non, non, non! Petite pervers. Attends, Rosie, mais où tu vas? Ricardo sera encore à l'infirmerie, je ferais mieux d'aller voir. Où est l'infirmerie? Ah bah juste là, d'accord. C'est bizarre. Ah, le voilà. Voyons comment il va. Il se rappelle même pas avoir invoqué un esprit guerrier. Pff. Ricardo avait l'air tellement effrayant quand il a invoqué son esprit guerrier, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne suis pas pressé d'apprendre à Ricardo que presque tout le monde quitte le club.
Samgook, je suis désolé de t'avoir causé du souci. Désolé tout le monde. Gomen, Minna. Capitaine, j'ai une mauvaise nouvelle. Beaucoup de joueurs ont quitté le club. Mais c'est impossible. Tous les joueurs de l'équipe première sont restés, mais tous ceux de l'équipe réserve sont partis, sauf Hugues et Shun. Je suis vraiment désolé, j'ai failli à mon devoir de capitaine. Tout est de ma faute. Ne dis pas ça, ça fait un moment que tout va de travers. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient décidé de quitter l'équipe. Pour le moment, concentrons-nous sur l'épreuve de sélection. On m'a parlé d'une quarantaine de postulants, mais maintenant... Je suis sûr que ces deux-là sont toujours intéressés. Oui, je voudrais passer l'épreuve de sélection. Moi aussi. À votre place, je ne postulerai pas, ça n'en vaut pas la peine. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que ça en vaut la peine. Bon, oubliez ce que j'ai dit, on va faire l'épreuve tout de suite. Le moment est venu de faire de notre mieux, JP. Vous passerez l'épreuve sur le vieux terrain, celui qui est à l'extérieur, allons-y ensemble. Beaucoup de joueurs ont quitté le club de football, mais ça ne change rien pour moi. Je suis prêt à tout pour rejoindre l'équipe. Allons-nous réussir cette épreuve d'intégration? Suspense. Tu aurais dû voir l'état des joueurs de l'équipe réserve, ils étaient couverts de bleu. Ils ont vite guéri, mais je m'inquiète pour leur morale, ils avaient l'air d'aller si mal. Tais-toi, t'es infirmière, pas psychologue. Allez, on trace. La 3D, c'est tellement génial. Ah ouais, du coup, le terrain... Ah, c'est toi qui... D'accord, il y a des défis comme ça. On se fait plus aggro. Ça, c'est triste. Moi, j'aimais bien les aggro. Ah, aggro, aggro. Sérieux, il n'y a plus d'aggro du tout, quoi. Ah, peut-être que ça sera plus tard, je sais pas. Ce sont les seuls postulants que nous avons. L'incident avec les chevaliers noirs a dû en décourager plus d'un. Bien, je vais vous expliquer en quoi consiste l'épreuve. Vous allez jouer un match de 15 minutes contre 5 joueurs. Peu importe qui l'emportera, je choisirai les meilleurs en fonction de leur jeu. Je veux juste que vous vous donniez à fond. D'accord, coach. C'est la deuxième fois que je passe l'épreuve de sélection d'un club de foot. La première fois, j'étais en primaire, mais j'ai échoué. Ah ouais? Là, je suis sûr qu'on y arrivera tous les deux. Bonne chance, Arion. T'as l'air de rien comme ça, mais tu nous as prouvé que t'avais une volonté de faire. Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Beaucoup de monde, faut que je parle à lui. Ah, les joueurs de votre équipe réserve sont partis sans demander leur reste. À mon avis, vous n'avez pas tardé à les suivre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi? Rien du tout, mon travail est de les observer après tout. Ah oui? Je sais pas ce que tu observes alors, parce qu'il reste toujours des joueurs de l'équipe réserve, Hugues et Shun. Vraiment, j'avais pourtant cru comprendre qu'ils quitteraient le club dès que l'épreuve de sélection serait terminée. Tu plaisantes, j'espère. J'adore les petites animations, comme elles sont super bien faites. Avec les yeux écarquillés et tout. Où ils sont tout le monde? Où ils sont? À qui me manque encore de parler là? Et à lui. D'accord. Désolé, l'équipe réserve est dissoute. Je quitterai les clubs dès que l'épreuve de sélection sera terminée. Hugues. L'incompétence a un nouveau visage. Celui du capitaine Ricardo Di Rigo. Ne l'écoute pas. Samgook, je suis désolé, je ne peux pas tenir ma promesse, je ne peux plus être votre capitaine. Vous voulez que je sois capitaine de l'équipe? Vous ne devriez pas plutôt demander ça à un quatrième? Je ne suis même pas encore un cinquième. Ça n'a aucune importance, écoute, Ricardo. Le football est complètement contrôlé par le cinquième secteur. Mais ce n'est pas une raison pour tout laisser tomber. Notre but est de devenir la meilleure équipe du pays et de mériter ce titre. Ce système pourri va bien finir par disparaître, et ce jour-là, si on tient encore debout, je veux jouer comme un homme, un vrai. Et toi, t'es le seul qui arrive à nous faire jouer ensemble, Ricardo, tu comprends? Je ne sais pas si je peux y arriver. Mais si, tu peux. Tu as le don de diriger toute l'équipe comme un chef d'orchestre dirige ses musiciens avec sa baguette. Utilise ton talent pour rendre notre équipe plus forte. On ne pourra pas le faire sans toi, Ricardo. Il faut se rendre à l'évidence, je n'ai pas les qualités requises. Je n'arrive même pas à protéger l'équipe. Ce n'est pas vrai, je sais que tu en es capable. Allez, reprends-toi, on doit préparer l'épreuve de sélection.
Qu'est-ce que tu veux? Victor, je vais rejoindre le club de foot. Tu fais comme tu veux. Il est incroyablement fort au foot et pourtant il déteste ce sport, je ne comprends pas. Parler au coach Travis pour commencer. Let's do it, notre sélection commence. Tu es prêt à passer l'épreuve, Arion? Oui. Bien, l'épreuve de sélection de cette année peut commencer. Défi club de Raymond. Ils sont chauds. Condition de victoire. Marquer un but. Alors, il joue en défenseur, ça me plaît pas du tout ça. Fais une petite percée par là, toi. Jean-Pierre Lapin. Ah, j'étais presque! Tacle. Et la frappe! Oh, la frappe, c'est pas mal ça. Il est sorti, peut-être un lob. Un lob 3 puissance, ça devrait aller. Putain, il est rapide le gardien. Ouh, modale, modale! Toi, tu vas aller là. Non, je comprends pas trop pour le lob en fait. Jean-Pierre, défense. Tacle. Ah, il faut pas jouer au physique avec lui, il est tellement balèze. Je n'arrive pas à suivre, je ne pourrai jamais être sélectionné. Allez, JP, courage, l'épreuve n'est pas encore terminée, moi je n'abandonnerai pas. Toi non plus, tu ne dois pas renoncer, ça va bien se passer, tu verras. Alors c'est aussi simple que ça pour toi? Tu crois que tes rêves vont se réaliser uniquement parce que tu n'abandonnes pas? Ah, capitaine, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Quand je le regarde, je sens la colère monter en moi, je ne sais pas pourquoi, sa passion du football, son enthousiasme. Aujourd'hui dans le football, il existe quelque chose qu'on ne peut plus obtenir. Quels que soient nos efforts, une victoire qui ait du sens. Ça ne sert à rien de lutter, et ça, il va bien falloir qu'il le comprenne. Je n'abandonnerai pas, capitaine, il n'en est pas question. Très bien, il va falloir te battre de toutes tes forces. Oui, capitaine! Allons-y. Dribble. Ouais, en même temps, c'est un petit peu une masse, lui. Tacle. Arion Sherwin qui fait une remontée sur le côté gauche, il part sur l'aile. Il tente une passe, c'est loupé. Nishizono à l'attaque. Dribble. Chien. Tacle. Oh, ça passe, dribble. Oh, la feinte là, la frappe directe. Angle court. Boum. Ah, bah, flamboyant. Ouais, mais t'es sérieux aussi, lui. Merde. Alors, ça, c'est impossible. Dribble, mais je pense pas y arriver. Lob. Puissance 2. Mais trop rapide, lui. Oh, il était pas sûr, là. Il était pas safe. Évidemment, il a pété limité, là. Ça ira jamais. Défi perdu. Des briques. Je vais annoncer les résultats de l'épreuve. Voici la liste des nouvelles recrues. Arion Sherwind, Jean-Pierre Lapin. C'est tout. Quoi? Juste nous deux? C'est un rêve, pensez-moi! Non, ce n'est pas un rêve, JP! On a réussi! On a réussi! On y est arrivé, Arion! On est sélectionné! C'est le plus beau jour de ma vie! «
Non, mais j'hallucine. Ils sont plus nuls que nous, c'est quoi cet entraîneur? C'est clair que le club de Raymond est mort s'il recrute des joueurs qui ne valent rien. Alors ça fait de vous des moins que rien. N'est-ce pas ironique? Ah, Big! Coach, pourquoi les avez-vous sélectionnés? Tu n'as donc pas remarqué, Ricardo? Remarqué quoi? Ces deux joueurs ont quelque chose de spécial. C'est tout ce que je peux te dire. Ça ne m'aide pas vraiment. Tu comprendras. Le coach ne comprend pas ce qui se passe. On ne peut pas sauver le club, ni moi ni personne. C'est la fin pour nous. Enfin, je fais enfin partie du club de foot de Raymond. Je vais pouvoir jouer au vrai football. Félicitations, Arion. J'ai hâte de commencer l'entraînement. Ouais. Je vais me surpasser. Vous pouvez maintenant utiliser Hippiplet, le réseau social du club de football de Raymond. Sélectionnez Info depuis le menu principal, puis Hippiplet. Allez consulter les derniers messages. J'ai à peine rejoint le club de foot et je vais déjà jouer mon premier match amical. Mes coéquipiers comptent sur moi, même s'ils ont une drôle de façon de jouer. La suite au prochain chapitre, un match arrangé. Mais c'est parfait! Moi j'ai plus rien à faire, le jeu il fait carrément mes transitions pour moi quoi! Prochainement, dans le prochain épisode, l'épisode numéro 3, un match arrangé! Bam! Le jeu parfait, rien à dire. Ah, ça continue. Ah mais j'ai envie de vous dire non, on va se contenter de la coupure qui était bien faite. Donc voilà pour la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis on se retrouvera donc pour l'épisode numéro 3 avec le chapitre numéro 2, un match arrangé. Et on reprendra là après ce footing de manière illimitée de Arion sur place, ça c'est la classe. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde. Ciao!